different boy. Wabarani Chari, Zabris Kithara. Oh, Tenoba. Yamal? Zimze Jaws. Salut tout le monde, c'est Fixia, j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de vos vacances si vous êtes en vacances, n'est-ce pas? Parce que si vous n'êtes pas en vacances, ben du coup, cette phrase fait mal au cœur. Fait très mal au cœur. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la vie d'Alex. On se retrouve ailleurs. Alex a déménagé sur un coup de tête pour cette magnifique villa. Eh bien non, nous sommes ici pour quelque chose de particulier, mais dans l'introduction d'aujourd'hui, vous n'avez pas eu la réponse du pourquoi, du comment. Du pourquoi, du quoi, du quoi, du où. C'est une petite transition pour dire qu'aujourd'hui, on se retrouve à Strangerville. J'allais dire Stranger Thing. Et oui, parce qu'en ce moment, il y a la saison 3, je sais pas si vous l'avez vu, pas de spoil dans les commentaires pour ceux qui n'ont pas vu la série encore. Mais C'était incroyable. Du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas aller à Strangerville pour une mission spéciale. On se retrouve dans un motel très miteux, puisque vous savez que Alex, elle a pas beaucoup d'argent avec la création de sa maison. Et en fait, notre cher Emmanuel est venu avec nous dans cette aventure. Et bien sûr, on a gardé Calvin, puisqu'on ne peut pas le jeter à la poubelle. Oh, quel hommage! On aurait pu aller à Sulani, mais non! Fixia a choisi Strangerville. Oui, bon, j'ai prévu d'aller à Sulani pour d'autres occasions, mais là, pour le moment, Alex, j'avais pas envie de l'envoyer. Enfin, bon, je vous avoue qu'à la base, j'avais eu quelques idées de cinématiques avec Alex et les sirènes, et au final, j'ai préféré arrêter parce que j'avais envie de la garder dans un univers très réaliste. Donc voilà, on se retrouve plus dans un motel, voilà. Et bien sûr, nous avons pris notre petit chiot avec nous qui ne va pas tarder à grandir. C'était un motel que j'ai téléchargé et que j'ai modifié par la suite pour quelques petits détails, mais sinon en général, voilà, je l'ai laissé brut et c'est un motel sans contenu personnalisé. Attends, j'ai des conneries? Est-ce que j'ai des conneries? Non, je crois que je dis pas de conneries. Non, je ne dis pas conneries. Mais non, jamais. Vous pouvez le trouver dans la galerie en tapant motel. Vous allez trouver quelque chose comme ça. Et je vous le conseille. Il est magnifique. Il est très beau. Non, il est super réaliste, je trouve. Je devais trouver un propriétaire pour ce motel. Et j'ai décidé de prendre Bob Curtis. Alors, son affaire ne marche pas très bien, bien sûr, je vous avoue. C'est pour ça que quand il a vu Alex et toute la clique arriver, il s'est dit « Oh chouette, j'ai des clients, enfin !» Notre petit Bob est paranoïaque, solitaire, mais il est bienveillant et il a l'essence de la saveur. Bah ça, on est content de le savoir, il aime la nourriture le petit. Voici donc la première pièce, le petit bar de Bob. Bon, malheureusement, voilà, comme je vous le disais, il n'y a pas grand monde qui passe, donc son petit Bob son petit bar, on va pas avoir du monde, mais voilà, on va quand même essayer d'y passer du temps. Il y a des petites informations sur Strangerville ici, et ici on a la salle de bain, enfin les toilettes. C'est la canicule, alors c'est difficile d'avancer vite. Ici c'est la chambre de Bob, voilà. Très accueillant. En fait, en haut, vous allez retrouver plusieurs chambres, différentes couleurs, mais toujours le même mobilier. C'est très miteux, mais c'est le seul motel du coin, donc on était obligé d'aller ici. Du coup, avec Alex, nous allons prendre, je pense, cette chambre et on va installer un petit lit simple ici. Ouais, ce sont ces petits détails-là que j'ai rajoutés en fait. Bon, on va se présenter tout d'abord à Bob.
Hello Bob. Vous avez vu, il s'est même pas préparé pour les accueillir. Non, non, mais il est en pyjama. Et oui, il n'avait pas prévu du tout qu'on allait venir à 7h du mat. Nous allons, du coup, essayer de comprendre ce qui se passe dans cette ville, parce qu'on a compris, par le biais d'une connaissance, qu'il se passait des choses étranges dans cette ville. Bon, fait connaissance, je me doute que le gameplay de Strangerville, vous avez dû déjà le voir, mais j'avais quand même envie de le faire avec vous, et j'essaierai de le faire, de l'aborder différemment, quoi. Ah, on peut construire une sculpture de sable ici? Les deux enfants, quoi. Tout d'un coup, ils disent « Si on faisait un château de sable ?» On est trop fort. Elle est trop belle, la tortue. Elle est trop belle. Mais merci pour la tortue, hein. Allez, bonne journée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au premier terrain communautaire du coin. On va aller dans cette bibliothèque pour essayer de rencontrer les personnes de Strangerville. Ah ! Est-ce qu'on peut lui parler, cette chose-là ? Yeah! Elle est trop chou! Donc c'est bien ce qu'on avait entendu. Écoutez, il se passe des choses vraiment étranges dans cette ville. Tout a commencé il y a quelques semaines. Il y a eu une grosse explosion dans le cratère, et depuis, les choses n'ont plus été tout à fait pareilles. Ah bah merci monsieur pour l'information. Ah, apparemment, ce monsieur est le maire de la ville. Donc, nous allons lui dire bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur le maire. Je suis désolée de vous déranger durant votre partie d'échecs. Mais, je voudrais savoir... Je ne sais pas ce que je veux savoir, mais comment vous allez aujourd'hui? Et assieds-toi, Zou, avec lui. Et toi, non, dégage, c'est nous qui jouons. Mais non! Mais non! Mais non, c'est... Mais non, je veux pas jouer avec lui. Mais... Oh. Ok, le maire est parti. Très joli chapeau, monsieur. Vous allez vous marier quand? Oh, mais regardez tous ces scientifiques à la bibliothèque. C'est vachement réaliste, je trouve. C'est trop drôle. Et elle qui fait des recherches. Mais c'est marrant. Par contre, le maire nous a foutu un vent. Il est parti, quoi. On a essayé de lui parler de l'explosion. Et puis, il s'est cassé. On va plutôt aller se rendre là où a eu lieu l'explosion. On a pu avoir des informations là-dessus. Et j'ai envie de chiller dans cette bibliothèque. Consulter les archives de Strangerville. Let's go. Hop, nous on se rend en haut. On a envie d'être au calme. Je savais qu'elle allait aller en bas. Je savais qu'elle allait aller en bas. Mais bah, on a trop envie d'être en bas, de toute façon. On a envie d'être avec les gens. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Alors, Kalex parcourt le livre, quelque chose d'intéressant en tombe. Photo floue, suspect. Avec un dossier secret, vous pouvez convaincre quelqu'un de vous donner une carte d'accès au laboratoire secret. Cette photo, du coup, nous donne l'eau à la bouche. Nous avons besoin d'aller au laboratoire pour voir ce qui s'est passé là-bas. Alex n'a jamais vu une plante comme ça. Alors forcément, il faut s'en approcher. Cette plante bizarre a un éclat étrange, comme si elle était contrôlée par une autre entité. On dirait que quelque chose pousse à l'intérieur. Comment tu sais qu'elle est contrôlée par une autre entité? Elle est dotée d'un super cerveau, dis donc, Alex. Pour moi, c'est juste une plante très jolie, voilà. Allez, on va pénétrer dans ce laboratoire secret. Una grande porte. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Viens, Alex. Elle se balade tranquille. Eh, t'es pas chez toi, hein? Oh. Alors, c'est une porte grise, avec des bandes blanches, et puis elle est en métal. Oh! Y a quelque chose d'écrit. Ah oui, n'entrez pas. Mais je vais rentrer, oui. Cette porte est verrouillée. Elle semble nécessiter une carte d'accès. Quelqu'un en ville saurait peut-être comment en obtenir une avant de partir. Fouillez le laboratoire secret pour assembler plus d'informations. J'ai vraiment envie de rentrer. Du coup, nous allons regarder. Hier, tu paniquais chez toi à l'idée de venir ici. Et là, tout d'un coup, t'es toute plan-plan. Vraiment, on va fouiller tout l'état. Comme ça, on aura plein de preuves. Cool, on a plutôt pas mal d'éléments en notre possession. Nous avons 9 photos, graines, petits sachets de trucs et de machins. Et je crois que nous n'avons plus de tas à fouiller. Voilà, en tout cas pour le moment. Ah si. Alex, toujours là pour me contredire, hein. Elle ne changera donc jamais.
On va retourner à notre motel et on va essayer de parler aux habitants. Oh mon dieu, il fait déjà nuit. Oh mon dieu. Est-ce qu'on rediscute avec ce gars là? Ah, maintenant on peut parler de Strangerville parce qu'on fait partie de l'enquête. Voilà. Allez, nous sommes motivés. Nous voulons trouver ce qui se passe à Strangerville. C'est une question de vie ou de mort. J'ai quelques théories sur ce qui se passe dans ce laboratoire, mais je ne les partage pas avec n'importe qui. Mais on est potes, on se connaît depuis 3 heures. J'ai entendu dire que les scientifiques et militaires possèdent une clé d'accès. Essayez de leur demander. Merci, bien sûr. Bon, bah du coup, on va essayer de parler avec elle. Présentation charmante. On va user de notre arme. Oula, oula. Ah non, c'est gênant. Ah non. Oh bah elle est très contente, bah voilà. On s'est mis dans notre poche, n'importe quoi. Une petite blague. Oh là là, mais c'est bon. On va avoir une aventure à Strangerville. Se renseigner sur la carrière. Elle va nous dire qu'elle est taxi. Qu'elle est pas du tout militaire en fait. Alex a appris que Céline était sergent minor à cet endroit, base nationale de Strangerville. Ah bon, ça va alors. Ah, clé USB. Oh merci madame. Ok, bon bah plus que 4. Vas-y, donne-nous-en encore. Faut qu'on aille à la bibliothèque pour avoir d'autres preuves. Ah, on peut mettre en ligne le dossier secret pour les forums de pirates informatiques. Ils disent qu'ils sont là pour nous aider, mais il y a des barbelés autour du cratère désormais. Qu'essaie-t-il de cacher? Est-ce que personne ne voit ce qui est en train de se passer? Réveillez-vous, bande de moutons. Mais moi, je veux des preuves. Je veux trouver des preuves dans les livres. J'en ai marre de parler aux gens, ça prend trop de temps. Donc, je préfère les livres. Allez, fouille. Monsieur, j'ai besoin de preuves. On n'a jamais eu autant d'amis, en fait, je crois. Youpi, merci, monsieur. Après avoir parlé à différents habitants de Strangerville, nous avons obtenu différentes photos étranges concernant le laboratoire secret. Du coup, nous allons peut-être pouvoir obtenir la clé de la porte. On va voir ce que ça va donner avec une scientifique ou un militaire. On va appeler notre connaissance qui travaille à la base militaire. Attention, nous avons des preuves, hein. Tu nous donnes un accès tout de suite, hein. Ah non. De retour devant la porte. Toujours habillé de la même manière depuis un jour. Plein de transpiration, nous sommes. Mais cela n'est pas grave. Waouh! Énorme! Ah, j'adore la musique! J'adore! Où tu vas là, non? Waouh, trop bien! Oh, j'adore l'ambiance! Allez, c'est parti. Et Céline, on est plus potes, hein, c'est bon. Tu m'as donné ta clé, maintenant tu te tais. Voilà, j'ai peur de rentrer là-dedans. Je vais mourir. Ah. Ah non, elle éternue. Mais ces sports sont trop toxiques pour passer sans protection. Posez des questions sur les sports en ville pour voir s'il existe un moyen de vous protéger. Nouvelle entrée ajoutée dans le carnet. Ok. Oula. Oh non. Oh non, pas toi. Oh, elle est horrible. Ah, oh, je voulais pas qu'elle soit comme ça. On va d'abord aller là. Rassembler des données sur le profil d'infection. 15 amas de sport. Poser des questions aux militaires au bar local pour obtenir un scanner à infection. Il permet de trouver des amas de... Oh, stylé. Waouh. C'est bon, t'es redevenu normal? Cool. Bien joué. Je ne voulais pas qu'elle fasse partie de tout ça. Bon, bah écoute, super petite balade. Waouh! Elles ont poussé. Ça fait flipper. Prendre une bouture, provoquer. Oula, j'ai peur. Est-ce qu'on provoque? Ok. J'adore, ça me fait vraiment penser à Stranger Things. Et puis, pile à voir après, vu la série, bah, je suis super contente en fait de jouer à Strangerville, je trouve que c'est vraiment parfait. Parfait. Ah,
Alors, la floraison commence. En quittant le laboratoire secret, vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer que le ciel a pris une couleur bizarre. Quelque chose a changé à Strangerville et cela n'augure rien de bon. Ouvrir cette porte au laboratoire doit avoir libéré un genre de toxine dans l'air. Vous devrez trouver un moyen de vous protéger des spores toxiques du laboratoire secret. Essayez de parler à des gens en ville pour voir s'ils savent quelque chose qui pourrait vous aider. Voilà, j'ai pas envie que mon enfant soit malade, hein. Coucou Spiro, c'est ton anniversaire. Est-ce qu'on préparait pas un petit truc? Ah mais du coup on n'a pas trop de quoi préparer un petit truc. Genre on se prépare un petit poulet grillé? Ouais, pour l'anniversaire. Et ouais mon petit Bob, on va te faire un bon petit plat. C'est l'anniversaire du chien ce soir. Ah il est là. Oui. C'est pas du poulet ça? Ah si, ok. Voilà, à table. À table c'est l'anniversaire du chien. Ah, c'est trop chou, regardez! C'est bon, c'est notre nouvelle famille. Alors aujourd'hui, nous avons découvert plein de choses sur Strangerville. Elle est à fond dans son histoire. Oh, regardez! Ouais, ça vole de partout, il y a des trucs bizarres. Bon, ben, Spiro! On va donner les restes à Spiro. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Bon, désolé, il fait pas beau aujourd'hui, mais voilà ce que donne notre petit Spiro. Il est trop beau. Bon, là, on va dire que c'est sa taille ado, hein, à Spiro. On va dire qu'il va encore grandir. Regardez, il est magnifique. Avec ses petites oreilles, là, qui sont toutes tordues. Vraiment, il est trop chou. Ah, on pourrait dire également qu'en grandissant, ses oreilles peuvent se redresser. Je sais pas. Vous me direz ce que vous préférez. Mais voilà, c'était un petit loup. Waouh, il est trop beau. Oh, il est trop chou, mais il est trop mignon. Et bien maintenant que Spiro a grandi, on va se quitter ici en famille. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'évolution du coup de Spiro. Et puis je vous retrouve la prochaine fois pour continuer l'aventure à Strangerville. J'essaierai de faire plus vite que ce que je fais là d'habitude. Désolée pour tout ça, j'espère que l'épisode vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.